Offre irrésistible, offre plus 1. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc je vais répondre à une question d'un membre de mon club privé Vivre de son site internet. Donc juste avant que je vous explique tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Alors je vous laisse admirer également donc Malte par la même occasion où j'habite depuis septembre 2012. Alors dernièrement, donc c'était pas plus tard qu'hier soir, je suis allé dans un restaurant et j'ai eu une grosse leçon d'offres irrésistibles ou encore d'offres plus sain, toutes les choses qui font que le restaurant, eh bien, il est plein à craquer, tout le monde est là à attendre pour pouvoir manger parce que c'est excellent et surtout il y a des grosses offres irrésistibles, pendant que d'autres restaurants tirent la langue et se disent « Mais putain, j'ai pas un client moi !» Donc ça va être la même chose à réaliser dans votre business en ligne ou même votre business en dur pour toujours avoir une multitude de clients et que ce soit le client qui attend devant la porte et que ce ne soit pas vous qui allez démarcher le client pour pouvoir vendre vos produits et services. Alors comment ça s'est passé? Je vais vous raconter un petit peu les différentes anecdotes. Donc première chose, les tarifs sont assez faibles. Donc je vous donne un exemple tout bête. Donc généralement à Malte, les prix des pizzas, on va dire c'est à peu près 10 euros. C'est à peu près le même tarif qu'en France ou peut-être 1 euro moins cher. Et là, les différentes pizzas, c'est on va dire 7 euros. Donc c'était déjà 30% moins cher. Logiquement, quand c'est 30% moins cher, vous êtes d'accord avec moi, c'est généralement de la basse qualité ou alors de la merde, c'est du bullshit parce que bien la qualité se paye. On est d'accord jusque-là. Ensuite, bien la première bonne surprise, donc c'était succulent. C'était quand même assez bon, donc bonne première surprise. Deuxième chose, dans l'offre irrésistible, vous avez un amuse-bouche et là, grosse gamelle, donc gros voilà, petit apéritif, vous avez une spécialité maltaise pour 5-6 personnes. Donc vraiment un bon plat de consistance. On se dit, bah non, mais j'ai pas commandé ça. Non, mais c'est offert par le restaurant. Waouh, merci, bah, c'est vraiment sympa. Donc première, ce qu'on appelle une offre plus 1. Donc on s'attend à voir sa pizza plus quelque chose, voilà ce qu'on a commandé, voilà, on s'attend à ça. Offre plus 1, on offre une chose supplémentaire, ce qui n'est pas annoncé dans la commande. Donc ça c'est un gros point positif et ils auraient pu s'arrêter là parce qu'ils sont moins chers qu'ailleurs, ils sont excellents, ils font une première offre plus 1. Offre plus 2, ils ont également amené quelques autres amuse-bouches pour pouvoir nous faire patienter donc avant de nous donner le plat. Et on dit une nouvelle fois, non, mais on n'a pas commandé ça. Non, mais c'est offert par le restaurant. Et donc, j'ai un ami qui est habitué des lieux. Hein, ce n'était pas une soirée exceptionnelle. S'ils le font systématiquement à chaque fois qu'il y a différentes personnes qui visionnent le restaurant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour le restaurant? Donc, il y a à peu près une capacité de 50 personnes. Eh bien, oui, il y avait de la queue pour aller au resto. Donc, les gens sont prêts à attendre 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, jusqu'à une heure pour aller dans ce restaurant pour avoir cette offre irrésistible plus deux offres plus un. Donc offre irrésistible, donc c'est un rapport qualité-prix excellent et des offres plus 1 et plus 2, donc une amuse-bouche et quelque chose supplémentaire en plus de votre commande pour un plat de résistance que vous avez manière à 100%. Donc moi, ce que je vous invite à faire dans votre business, moi c'est ce que j'ai fait par exemple pour ma formation Patrimoine en or, c'est que dans votre page de vente, vous donnez des bonus, vous donnez des modules, mais vous allez toujours avoir au moins une chose que vous n'avez pas donnée et que vous allez évidemment donner par rapport à votre produit. Donc réfléchissez, j'ai déjà fait une autre vidéo sur le sujet, ça vous donnera un exemple. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc faites bien systématiquement des offres irrésistibles, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Donc c'est au moins 10 fois la valeur par rapport au prix pour que les gens soient contents et des offres plus 1. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le bouton, le pouce juste en dessous, ça vous permettra d'avoir de me permettre d'avoir votre feedback. Donc merci par avance. Et juste avant de vous laisser, je vous invite à télécharger donc ma vidéo bonus. C'est une vidéo privée, j'explique comment je gagne plus de 500 euros par jour avec des sites web, des chaînes YouTube ou encore des pages Facebook. Cliquez bien sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube et je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour la vidéo bonus. Si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube ou un smartphone, il y a le i comme info ou encore tout est dans la description juste en dessous. À tout de suite.